nouvelle semaine, c'est parti. Ma maman bossait le matin, donc elle a pu me déposer, donc c'est cool. Donc là j'y vais parce que j'ai pas non plus trop de temps, hein. Voilà. Et il fait pas très froid, mais j'ai l'impression que je suis enrhumée, j'ai envie de me moucher tout le temps, quoi. Ça me fait un courant d'air dans le nez. Bref, je vous retrouverai sûrement à la maison tout à l'heure après avoir fini. Hello, il va être 15h, je viens de rentrer chez moi. Piouf, j'étais censée publier une vidéo aujourd'hui et c'était censé être le trial haul. Voilà. Et bah en fait il n'y aura pas de vidéo aujourd'hui parce que j'ai pas du tout envie de faire une vidéo bâclée et le try and haul, j'ai envie qu'elle soit bien faite en fait, faire des beaux plans de moi qui porte des habits et tout. Et j'ai vraiment pas envie de faire un truc bâclé, de faire autre chose vite fait, mal fait quoi, voilà. C'est qu'à le dire, est-ce qu'en fait aujourd'hui, donc je me suis levée assez tôt, j'ai de retarder mon réveil, j'étais hyper fatiguée, j'ai mis trop de temps à dormir hier soir et du coup genre là aujourd'hui on se tape, mais là je suis transpirante, hein. J'ai pas eu le temps de refroidir encore, mais c'était journée mais de ouf. D'habitude on prend toujours un petit déj le matin, je suis juste allée boire un coup, j'ai quasiment pas bu sinon de la journée quand tu bouges beaucoup, voilà. Du coup j'ai mal à la tête et je pense que ça c'est parce que j'ai pas assez bu d'eau. À midi j'ai pas eu le temps pour me poser, juste à 14h j'ai mangé un yaourt et à peine un quart de ma salade, voilà, j'avais limite pas faim en fait tellement j'ai fait de trucs, genre voilà quoi. J'ai pas besoin de faire de sport, hein. C'est bon, je pense que voilà, j'ai couru partout, enfin il y a eu des urgences et machin, je peux pas vous raconter, mais c'était vraiment, c'était, il y avait du rythme quoi, donc voilà. Du coup, par contre c'est cool parce que j'ai quand même appris plein de choses parce que bah, du coup dans l'action, bah, faut faire quoi, voilà. Et voilà, voilà. Et du coup là je suis crevée, j'ai tellement chaud, je pense que je vais pas tarder à prendre une douche parce que là je meurs. Ah il me restait mes pâtes d'hier, mon copain me les a mangées à midi. Et du coup je pense que ma salade je vais la garder pour demain midi. Au début je pensais me garder du coup les pâtes que j'ai mangées hier soir, me les garder pour demain midi. Au final je vais garder ma salade que j'ai à peine commencé parce que voilà. J'ai vraiment pas eu le temps, c'était très speed, du coup là je suis mais morte de fatigue. Et en plus je dois bosser sur mes projets de soins, j'ai une prof qui vient mercredi. Donc faut, voilà, le peu de temps que je peux avoir pour moi, faut vraiment que je bosse là-dessus parce que c'est plus important que les vidéos. Et sinon je vais vous ouvrir deux petits colis. Et dans le colis de ma boîte postale j'avais eu, alors en fait c'est une édition, c'est quelle édition ça? C'est les éditions Le L'Opportun. Pour la journée mondiale de l'infirmière, il m'avait contacté, il m'avait demandé si ça me plairait de recevoir un livre. J'ai dit oui, et c'est le livre Piqûre de rappel, confession d'une infirmière. Donc j'ai trouvé ça super cool de leur part de me demander ça, parce que bah voilà quoi, ça me correspond bien. Voilà. Et du coup j'ai hâte de lire ça, il y a plein de petites anecdotes, de petits trucs, donc je trouve ça super cool. Et sinon j'ai deux autres petits colis et ces deux autres livres aussi. Donc le premier livre que j'ai reçu c'est Maya Banks, Crush il s'appelle le livre. Donc voilà, il se présente comme ça, en plus je le trouve super joli, il est rose, ça fait assez girly. Donc j'ai hâte de le lire et avec, on avait tellement chaud que j'éternue. Moi c'est ça, quand il y a du soleil ou quoi, j'ai super chaud, j'éternue. Voilà, c'est bizarre. Donc une huile de massage affolante de la marque Yes Love For. J'ai dit la marque Yes Love For, mais je crois que c'est Yes For Love plutôt. Donc voilà, c'est dans ce petit packaging. Et je vous ai pas dit, c'est les éditions Harlequin pour le livre. Et le deuxième livre est beaucoup plus gros quand même. Et c'est La Veuve Noire, il est plus large aussi. Et ça, c'est les collections HarperCollins. Voilà, donc ça, c'est pas du tout le même style que l'autre. Mais ça va l'air assez intéressant. Donc voilà, après les livres vidéo... non, les vidéos sur les livres de youtubeurs, que je n'ai toujours pas fini d'ailleurs... J'aimerais bien faire des vidéos sur les livres tout court, donc ça je pense que ce sera mes lectures de l'été, donc hein, la vidéo vous l'aurez pas tout de suite. Mais voilà, cette fois-ci je vais me poser un peu. Je suis en train de me dire que j'ai pas du tout eu le temps de regarder Plus belle la vie, ni vendredi matin, ni ce matin, parce que j'essaye de me lever plus tard, parce qu'en fait je fais quasiment rien. Genre ce matin j'ai mangé des restes de pancakes que j'avais fait hier. Je vous ai mis la recette sur mon Insta Sport, et c'est si vous aimez les bananes, vous avez forcément aimé je pense. Et trop rapide le truc, et ça te cale hyper bien. Du coup ce matin j'ai pas eu le temps de me poser comme je vous ai dit pour le petit déj en stage. Et heureusement que j'avais mangé ces pancakes parce que sinon je serais tombée dans les pommes. Bah du coup je me serais sûrement posée parce que voilà là j'avais pas le temps et j'avais pas forcément faim, donc ça va. À midi j'avais quasiment pas faim non plus, c'est trop bizarre, genre là j'ai pas faim alors que j'ai quasiment rien mangé. Alors que d'habitude en stage j'ai vraiment beaucoup plus faim que habituellement puisque bah je bouge beaucoup plus. Donc du coup j'ai plus faim et là bizarrement non. Bizarre. Faudra que je vous montre aussi ce que j'ai reçu en colis chez mes parents parce que je suis trop contente. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu. Et on la voit dehors. C'est une serviette, enfin c'est plutôt pour se poser plutôt que s'essuyer. Hein. C'est en forme de donuts.
Elle séchait d'hier soir, là je vais la rentrer. Il faut absolument que je pende le linge. Parce que c'est depuis vendredi. Quand je suis partie, en fait, c'est mon copain qui l'a étendu et je pensais qu'il allait la ranger. Et non. Et du coup, hier, en fait, je suis allée chez mes parents. Donc le matin, en fait, je me suis préparée. Je suis allée chez mes parents et j'y suis restée jusqu'à quasiment 19h. Je suis rentrée. On a fait à manger, j'ai mangé, j'ai dormi, voilà. Vraiment pas eu le temps, donc je vais essayer de faire ça dans l'après-midi. Mais c'est vrai que je déteste faire ça, genre ranger le linge. Déjà, ça va, on repasse pas tous les habits parce que je me dis, mais oh, quand t'es maman et que tu dois tout repasser pour la famille, franchement, c'est ça me saoule quoi. J'ai déjà repassé deux fois dans ma vie des chemises pour mon copain. Ça m'a suffi. Bon, j'étais en train de travailler sur ce que je vous avais dit par rapport à mon stage. Et là, je regarde l'heure. Bah, 17h. C'est une blague? Je crois que le temps il est passé beaucoup trop vite. Bon, par contre, je vais devoir sortir un coup. Il faut que j'aille retirer des sous pour donner à mon copain. Donc, du coup, voilà. Faut que je bouge mes petites fesses. Hein. J'avais pas trop envie, je vous avoue. Bon, je vais aller retirer mes sous. En plus, il fallait de toute façon que j'aille à la poste. Parce qu'il faut que j'aille déposer un chèque qui s'est ouvert jusqu'à 18h, je crois. Donc, il est 16h55. On n'est pas trop mal. Bon, je vais vous montrer. Je suis revenue. Ce que j'ai reçu, du coup. C'est de OPI, donc j'ai ces petits vernis, donc j'ai les mêmes en grand, donc ceux-ci je les garde, je les ferai gagner, j'avais déjà un autre pack. Donc je sais pas si vous allez voir tous les vernis qu'ils m'ont envoyé, je vais peut-être pas tous les vous les montrer, mais je suis trop contente. Et sinon j'ai aussi reçu, c'était pas dans le même colis, hein, mais j'ai tout mis ensemble, des petits trucs de merci Andy. Bon, ça commence à être un peu le bazar. Non mais regardez, j'ai vidé mon sac et j'étais en train de, en gros, de regarder toutes les feuilles que j'avais pour faire mes recueils de données, tout ça. J'en ai mis partout. Voilà, j'en ai mis partout. C'est super. J'ai plein de gants parce que souvent, genre j'ai une paire de gants dans ma blouse. Puis quand j'enlève ma blouse pour partir et que je vais la mettre à laver, tout ça, bah je les enlève. Sauf qu'au bout d'un moment, ça s'entasse. Donc je pense que je vais les garder et je les garderai pour faire le ménage. Ça sera bien, bien utile pour ça. Bon, je vous retrouve, il est bientôt 19h. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a du soleil alors qu'il faisait plutôt gris aujourd'hui, mais il faisait super chaud. Genre là, en jean, j'ai trop chaud. J'ai en trié plein de trucs dans la chambre, on dirait pas, on dirait que c'est encore vachement le bazar là sur mon bureau, mais... J'avais plein de cartons avec des produits, des trucs que j'avais pas rangés ou des glossy box pas rangés. Tout était encore dans les cartons, donc j'ai essayé de ranger un minimum, voilà. Mais bon, j'ai encore pas mal de choses à ranger. Et du coup là il est quelle heure? Oui j'ai dit qu'il allait quasiment à 19h, donc là je vais aller me doucher parce que je meurs de chaud. Donc je vais me démaquiller aussi en même temps dans la douche, tout ça. Et puis bah voilà, voilà c'est ce que je vais faire. Et je sais pas si je vous retrouverai après parce que donc, mon copain voulait qu'on aille faire des courses. Et je lui ai dit non mais je vais crever là, j'ai juste envie de manger et d'aller me doucher, j'ai mal à la tête. Donc non de manger, enfin de me doucher, de manger, d'aller me coucher. J'ai du mal. Du coup, il va y aller tout seul. Je lui ai fait une petite liste. Voilà, voilà. Donc en attendant, je vais aller me doucher. Et je pense qu'après, je vais pas forcément vous retrouver parce qu'il y aura rien de spécial. Je sais pas s'il sera rentré quand j'aurai fini. Je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen qu'il... Je me fatigue. Je voulais dire que je pense qu'il sera pas encore rentré puisqu'il est 18h47 et je compte pas me doucher pendant une demi-heure non plus. Donc voilà, je vais vous laisser. Demain, je ne vlog pas. Donc on se retrouve, je sais plus quel jour on sera. Je pense qu'aujourd'hui, on sera vendredi. Donc du coup, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Je vous fais des très gros bisous.